On apprécie toujours, hein, la louange, n'est-ce pas? Amen, oui. Vous savez, Louis-Philippe a été officiellement voté à l'Assemblée des membres qui a eu lieu récemment. Alors, c'est très encourageant qu'on puisse l'avoir avec nous. Vous savez, il y a un jeune couple marié qui sont ici pour la première fois avec nous. Levez-vous, s'il vous plaît. Hein? Puis ça a bien été, oui. Il a fait beau, oui. Vous avez fait beaucoup d'activités à l'extérieur. Ah, c'est merveilleux, hein? Connaissez-vous Roger? C'est lui. Le voyez-vous comme faux? Roger, qu'est-ce qu'il y a de remarquable par rapport à Roger? Vous ne le connaissez pas, hein? Il y en a quelques-uns. Combien le connaissent? Levez la main. Vous avez vu probablement son petit vidéo. Il y en a juste deux, trois. Pas plus que ça. Alors, c'est intéressant. Je suis content de... Alors, c'est cette semaine, justement, j'ai reçu ce petit vidéo de Roger. Et je trouve que c'est très approprié pour ce qu'on est en train de regarder dans Jean 12 sur « Qui êtes-vous vraiment? » Et découle de ça les marques d'un disciple. Jean, dans le chapitre 12, nous présente 10 marques d'un disciple. Et on a commencé, il y a quelques semaines, deux semaines, je crois, ou trois semaines, là, quelque chose comme ça, à regarder justement Jean 12. Et on poursuit ce matin, donc c'est la deuxième partie, et c'est justement le titre qui est ici. Là. Je vais le faire avancer, si ça avance. C'est celui dessus, plutôt au-dessus. Celui-là ici marche, oui? En dessous? Ah, de côté. Ah, voilà. Alors, voilà. Deuxième partie. J'ai un petit vidéo, puis je vais le montrer dans pas grand temps. Même peut-être tu peux l'emmener à l'écran si tu veux, le petit vidéo, parce que ça dit « Dieu m'a donné cette vie, non pour la gaspiller, mais pour l'utiliser. » Mais Roger, il s'appelle Roger Flournois, c'est son nom complet. Et Roger est particulier parce qu'il est né avec une paralysie cérébrale. Mais malgré cela, Roger pense que son handicap n'est pas un handicap ou une tragédie ou une épreuve ou quoi que ce soit dans ce genre-là, mais il croit que c'est un don du Seigneur. Et voici un petit aperçu de ce qu'il dit, vous allez le revoir, c'est en anglais, mais traduit en français. Il dit ceci, « Dieu m'a fait tel que je suis, et je suis né avec une paralysie cérébrale, non à cause d'un accident, mais dans un but. Quand je pense à ce but, je me dis ceci, « Comment pourrais-je ne pas louer le Seigneur? Parce qu'il m'a tant aimé, il m'a donné la paralysie cérébrale pour que je puisse encourager les chrétiens de l'Église et même les non-croyants. » Imaginez-vous. Et là, il dit, « Dieu m'a donné cette vie, non pour la gaspiller, mais pour l'utiliser. » Et vous allez voir, Roger, il y a quelque chose de remarquable sur lui. Et j'aimerais ça qu'après la petite vidéo, vous puissiez me dire, qu'est-ce que vous pensez qui est remarquable de Roger. Déjà, ce que je viens de vous dire est particulier, n'est-ce pas? Hein? Mais je suis allé voir aussi un peu sur lui, sur sa vie, où est-ce qu'il vit, à quel endroit. Et là, j'ai découvert qu'il vivait au Texas, dans la même ville où notre fille aînée demeure présentement, c'est-à-dire à Austin, Texas. Et on va aller la visiter avec son mari
dans quelques semaines. Et puis, vous savez, vous allez voir Roger, à cause de sa paralysie cérébrale, il est confiné dans une chaise roulante, ou encore, la seule façon de se déplacer pour lui, c'est de ramper par terre. Et vous savez, Roger, à toutes les semaines, il se rend à l'église avec sa chaise roulante. Et vous savez, Roger a un ministère à son église. Savez-vous lequel? À l'accueil. Roger est préposé à l'accueil. Et il manquerait jamais un dimanche pour rien au monde. Il aime aller à l'église. Pour lui, l'église, c'est sa famille. Parce que vous savez, Roger souffre de solitude, étant donné sa situation. Alors pour lui, aller à l'église, là, c'est la célébration. C'est le jour de fête. C'est extraordinaire. On va écouter son petit témoignage. Ça dure 2 minutes et demie, donc c'est pas très long, mais ça vaut la peine d'être vu. Amen. Wow. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable par rapport à Roger? Il est heureux, il sourit tout le temps. Il est une bénédiction, hein? Quand il dit « Comment ne pourrais-je pas louer le Seigneur? » Tu sens qu'il le dit là, avec ses tripes. Hein? Ce n'est pas des paroles sous le bout des lèvres, là. C'est des paroles qui viennent de son fond, de son âme, tellement il croit à ce qu'il est en train de dire. C'est spécial, hein? Vous savez, le titre des quelques messages que j'ai commencé à apporter, puis je continue ce matin dans Jean 12, c'est « Qui êtes-vous vraiment? » Et vous savez ce qu'il y a de remarquable de Roger? Ah oui, il sourit. Oui, on voit son cœur, son âme et tout ça. Mais pour Roger, là, il n'est pas défini par son handicap. Roger sait qui il est vraiment. Il sait qu'il est un enfant de Dieu.
qui lui appartient et que Dieu est bon, que Dieu l'aime et que Dieu a un plan pour sa vie. Il n'est pas un accident. Son handicap n'est pas une calomnie qui est arrivée dans sa vie. Tout ça est dans les mains d'un Dieu souverain qui l'aime et il sait que Dieu est en train de l'utiliser pour faire du bien à d'autres, pour encourager ses frères et sœurs dans l'Église. Et je peux m'imaginer à quel point il est un encouragement. Et aussi pour montrer aux non-croyants qu'il y a un Dieu qui est bon, qui est vivant et qui prend soin de nous. Et que notre handicap n'est pas la fin de toute chose sur cette terre. Il n'est pas un accident de la nature. Certains parents auraient pu décider de se faire avorter parce qu'il y avait un handicap. Mais pour Roger, là, il loue le Seigneur. Et il le loue d'une façon que peut-être on aurait à rougir chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Et peut-être que Roger nous botterait le derrière s'il pouvait. Quand il nous verrait abattus par des circonstances, des fois qui certainement ne sont pas agréables. Qui êtes-vous vraiment? C'est ça la question. Êtes-vous défini par vos circonstances? Ou êtes-vous défini par votre relation que vous avez avec Jésus? C'est ça qu'il y a de remarquable chez Roger. Il est défini par sa relation qu'il a avec Jésus. Et dans Jean 12, on va voir ce matin, 5 personnes ou groupes de personnes. On va voir entre autres Marthe, Marie, Lazare. 3 personnes de la même famille. Et ensuite, on va voir ceux qui sont considérés comme le groupe des 12, les 12 disciples. Et Dieu voulant, on va aussi pouvoir voir le groupe des témoins, ceux qui étaient dans Jean 11 au moment où Jésus est venu à Béthanie et a ressuscité Lazare. Ils ont été témoins de la résurrection de Lazare. Et dans Jean 12, Jean nous dit qu'est-ce qui se passe aussi avec eux, où est-ce qu'ils sont rendus et qui, eux aussi, ils sont vraiment. Et j'espère qu'à travers eux, vous allez pouvoir aussi vous identifier à un niveau ou à un autre. La semaine passée, ce qu'on avait regardé, c'est que aucun disciple n'a en lui les 10 marques, parce qu'il y a 10 marques d'un disciple à travers les différents groupes et personnes que Jean nous décrit dans le chapitre 12. Mais aucun disciple a les 10 marques, c'est-à-dire les 10 mêmes marques se retrouvent dans le même disciple. Il n'y en a pas de ça. C'est ça que j'ai trouvé ça intéressant. Et tous ne manifestent pas les mêmes marques. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est parfois, on veut ressembler à quelqu'un d'autre parce qu'il y a des modèles à imiter. Mais en même temps, on voit que Dieu aussi apprécie la manière qu'on manifeste notre relation avec lui. Et ça, ça peut être différent de l'un à l'autre. Et ça, c'est intéressant. Par contre, ils ont tous en commun celle de croire dans leur cœur que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Pourquoi c'est important ça? Parce que pour être un disciple, il faut absolument entrer en relation avec Jésus. Il ne faut pas être en contact avec Jésus. Il ne faut pas juste entendre parler de Jésus. Comprenez? Mais il faut être en relation. Il faut entrer en relation avec Jésus et comme notre Seigneur et notre Sauveur. Ça, c'est la marque fondamentale, si je pourrais dire, d'un disciple. Si cette marque-là n'est pas là, tout le reste n'a pas de sens. Parce que c'est là que ça commence, c'est là que ça se poursuit, et ça, c'est important. Et dans ce sens-là, ils ont tous cette même marque-là. Autant Marthe, Marie, Lazare, les 12, à l'exception de un des 12, on le sait, Judas, et aussi les témoins qui semblent manifester cette même caractéristique. Maintenant, Marthe, ou l'exemple du disciple qui aime servir, Jean 12. Et là, je vais relire, parce qu'on l'avait lu préalablement, mais là, juste pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Donc, les versets 1 et 2 disent ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas, un festin,
Marthe servait et Lazare était d'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Et là, ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable avec Marthe? Vous vous souvenez de Marthe? Luc nous en parle plus dans les débuts de ministère de Jésus. Il nous raconte un incident entre Marthe et Marie. Vous vous souvenez? Et Marthe, qu'est-ce qu'elle faisait dans Luc? Je crois que c'est au chapitre 7 de mémoire. Là. Non, excusez, c'est au chapitre 10, Luc 10. Qu'est-ce qu'elle faisait dans Luc 10? Je vais vous lire 40 à 42. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur, c'est-à-dire Marie, me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider! » Et là, le Seigneur lui a répondu, « Marthe, Marthe, quand Jésus répète une deuxième fois le nom, c'est parce que il veut notre attention. » Comprenez? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Et Marie, ta sœur, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Quelle est la part que Marie avait choisie à ce moment-là? C'était quoi? C'était de passer du temps avec Jésus. Et elle était à quel endroit, Marie? Elle était aux pieds de Jésus. Et elle voulait simplement l'entendre parler, l'entendre enseigner. Elle voulait être avec lui. Hein? Elle aimait ça, être près de Jésus. Et Marthe, elle était où? Elle était dans le service. N'est-ce pas? Dans la cuisine. Puis là, on voit ce qui caractérise Marthe, c'est quoi? Bien, elle est hospitalière, on pourrait dire ça, c'est positif. Hein? Elle aime recevoir. Elle est aussi dynamique, n'est-ce pas? Hein? Elle a du jus. Elle est dans la cuisine, elle a du jus. Elle est expressive parce qu'elle dit ce qu'elle pense. On l'a vu au chapitre 11, dans Jean 11, et on la voit encore ici dans le chapitre 12. Et dans Luc 10, bien, on voit qu'elle s'est exprimée d'une façon à exprimer qu'elle était irritée. Donc, Marthe est quand même irritable ou stressée. Et des fois, quand quelqu'un est irritable et stressé, il peut être aussi stressant puis irritant. Hein? Marthe n'avait pas de misère à exprimer le fond de sa pensée. Puis quand elle n'était pas contente, bien, c'est ça. Et je pense que Marthe n'était pas contente. Donc, on voit que elle servait dans Luc 10, c'est-à-dire plutôt dans le ministère de Jésus, dans les premiers temps qu'elle a rencontré Jésus, elle servait. Mais elle servait avec une attitude qu'on pourrait dire qui était pas nécessairement une bénédiction. Donc, elle n'avait pas une attitude, une bonne attitude. Êtes-vous d'accord avec moi? Dans Luc 10, on voit que ça la travaille, puis Jésus, bien, il l'encourage, il l'enseigne, puis il ne met pas de pression sur Marie. Avez-vous remarqué? Il ne dit pas à Marie, bien là, oui, c'est vrai, Marie, là, commande, là, puis ta-ta-ta-ta. Non, il reconnaît que, puis tu sais, dans le fond, il ne critique pas Marc qu'elle est en train de servir, mais il critique le fait qu'elle est en train de le faire avec une attitude qui n'est pas bonne. N'est-ce pas? Et moi, vous savez, c'est quoi ma théorie par rapport à Luc 10, par rapport au fait que Marthe était occupée au repas, puis était stressée, puis avait un repas. Puis là, vous allez dire, oui, mais c'est important. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est important, là, le repas. Il fallait bien que quelqu'un fasse le repas, là. Oui, oui, je comprends tout ça. Je comprends tout ça. Je comprends tout ça que c'est important, puis il faut servir, puis il y a des besoins, puis là, Jésus est là, puis il faut qu'il y ait de quoi manger, puis tout ça. Hein? C'est important? Oui? Combien d'entre vous, mesdames, vous dites, là, écoute, c'est normal là, que Marthe elle soit stressée un peu, hein? Ouais? C'est vrai? Régent, hein, le repas là, pour la conférence des couples, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui fasse le repas, hein, puis que ça soit bon, puis qu'il y en ait assez pour tout le monde, puis que ça soit chaud, puis hein? Il y en avait des détails, hein? Ouais. Pourquoi
Marie a choisi la meilleure part. Moi, je pense que c'est pour la raison suivante. Puis là, je veux pas vous irriter, OK? Ou irriter certains par le commentaire que je vais faire. Mais je vais vous donner le fond de mon cœur, puis je pense que Jésus est d'accord avec moi. Honnêtement, là, Jésus, il n'en avait rien à faire du repas. Il aurait mangé du beurre de peanut, OK, avec de l'eau, puis des croutons, des choses à la bonne franquette. Parce que Jésus, il l'a même dit à un moment donné à ses disciples, « Moi, ma nourriture, c'est quoi? » C'est de faire la volonté de mon Père. Puis là, il savait qu'il était là pour un temps précis. Ce n'était pas un long temps. Tu sais, 3 ans, dans le fond, en tout, il y a 33 ans, mettons, avec... Mais tu sais, 3 ans intensifs, là, où là, il a servi, il s'est dévoilé comme étant le Fils de Dieu, il est venu accomplir sa mission et tout ça. Alors, chaque temps qu'il a passé avec les gens, on voit Jésus, lui, il aimait le temps de qualité. Et quand tu es relationnel, quand tu aimes les gens, quand tu es là pour bénir les gens, tu vois, c'est les gens qui sont plus importants que les tâches. Je pense que Marthe n'avait pas compris ça. Y en a-tu qui n'ont pas compris ça? Levez vos mains. Ah, ben tu vois, on est toute une église ici qui, où on comprend que les relations sont plus importantes que les gens. Vous vous irritez jamais, hein? Quand vous ne voyez pas les autres servir, puis que vous autres vous servez beaucoup. Ça ne vous irrite pas, ça, de voir qu'il y en a qui ne servent pas, puis vous autres, vous êtes en train de servir, puis là, vous mangez les bouchées doubles. Il n'y en a pas de ça ici, hein? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Merveilleux, vraiment, là, on est une église fantastique, moderne, et en plus, on est une église modèle. Hein? C'est-tu pas fantastique? C'est merveilleux. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de remarquable avec Marthe? Après ce que je viens de dire, il me semble que hein, c'est dur de pauvre Marthe, on a toute la pitié pour lui, on veut tout être comme Marie, on ne va pas être comme Marthe. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Elle va remarquer Jean 12, 2. Elle sert encore. Et savez-vous, il n'y a aucune mention d'une attitude négative. Il ne semble pas que Marthe est en train de l'aider. Marie est en train de l'aider. Marie va faire autre chose pendant le repas, mais c'est clair qu'elle n'est pas en train d'aider sa sœur. Il semble que Marthe, ça ne la dérange plus. Vous voyez? Et c'est ça qui est différent. C'est que dans le fond, Marthe, elle le fait maintenant avec une belle attitude. Qu'est-ce que ça dit de Marthe, ça? Ça dit que dans Luc 10, quand Jésus l'a encouragé, vis-à-vis son attitude, elle l'a reçue. Ça ne l'a pas découragée. Elle continue à servir, mais elle sert avec une bonne attitude. Et ça, c'est la marque remarquable chez Marthe du disciple, de servir le Seigneur et les autres avec une bonne attitude. Et je vous dis là, c'est vraiment, il faut être en relation avec Jésus pour servir et se concentrer sur ce que le Seigneur me demande, moi, et je le fais, j'aime servir, elle aimait servir, elle continue à servir, mais elle le fait maintenant avec une bonne attitude, sans commencer à pointer d'autres, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, puis mettre de la pression sur un, mettre de la pression sur l'autre, c'est fini ça. Moi, je sers le Seigneur et je le fais avec joie. J'aime servir, ça c'est la caractéristique remarquable de Marthe. Maintenant, Marie. Marie, elle est l'exemple du disciple qui donne avec son cœur et sans compter. Au verset 3, on lit ceci. Marie, et 3 à 8 en fait, là, je vais lire, mais Marie prit une livre d'un parfum de nard de grand prix, de nard pur, parce que c'est bien indiqué
dans le texte que c'est un nard pur, donc ça veut dire aussi au niveau de la valeur de ce parfum-là, qui était de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et là, ça nous dit qu'un des disciples, donc un des douze, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Donc, il estimait que le parfum valait justement 300 deniers. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, parce que si vous voyez, l'argument semble être fort, là. Hey, c'est bien trop vrai, là. Hey, on aurait pu en nourrir du monde avec ça. Savez-vous comment ça valait 300 deniers à l'époque? 300 deniers, là, c'est considéré comme étant une année complète d'un salaire d'un ouvrier agricole. Donc, mettez-le aujourd'hui là à 30 000 $ par exemple. Avec 30 000 $ là, on en nourrit du monde. Puis surtout à cette époque-là, comprenez, ça valait de quoi là? Alors là, Judas semble vraiment être offusqué et la cause des pauvres lui vient à cœur. Mais ça dit, il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Imaginez-vous, c'est incroyable là. Et ça arrive des choses comme ça, et lui était un de ceux-là. Jésus vient à la défense de Marie, puis là il dit, laissez-la. Et ici c'est fort là, le mot qui est là, là. OK? Et là, c'est merveilleux de voir que Jésus prend position ici, puis là il dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvre avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Et vous remarquez aussi que c'est au pluriel. Hein? Il ne dit pas à Judas, laisse-la tranquille, mais il parle à tous les disciples. Pourquoi est-ce qu'il parle à tous les disciples? Est-ce que c'est juste Judas qui avait cette réaction? Les autres, ça nous dit, le texte, là, si je le retrouve vitement ici, c'est dans, je crois, dans Matthieu, où il est dit que c'est ça, Matthieu et même Marc, là, Matthieu 26, 6 à 13 et Marc 14, 3 à 9 fait référence au même événement. Et là, on voit que les disciples, Marc lui mentionne quelques-uns, mais ça fait référence encore là aux disciples. Mais pour Matthieu, lui dit carrément les disciples, en parlant de tous les disciples, qui avaient eu tous la même attitude vis-à-vis l'acte de Marie. Maintenant, est-ce que ça arrive, ça, que d'autres disciples vont critiquer ce qu'un disciple fait pour Jésus? La décision qu'ils vont prendre pour Jésus? Hein? C'est drôle, pareil, que personne ne s'est réjoui ici de voir que Marie, tu sais, c'était à elle, là! C'était son flacon de parfum, ou c'était quand même comme un demi-litre, en fait, c'est-à-dire une livre, mais dans la quantité d'aujourd'hui, c'est à peu près un demi-litre de parfum pur. Mais c'était à elle! Mais malgré le fait qu'elle l'offre à Jésus, pour les autres, ils regardent ça et ils disent hey, « c'est du gaspillage, elle n'aurait pas dû faire ça. » Et là, Jésus vient et la défend. Puis même, vous savez, dans Matthieu puis dans Marc, justement, ça dit « Pourquoi vous lui faites de la peine? » Vous voyez le cœur de Jésus? Hein? Jésus, je ne sais pas si elle pleurait à ce moment-là, quand les disciples se sont mis sur son dos, ou si simplement Jésus, étant compatissant comme il était, puis étant aussi le Fils de Dieu, a vu tout de suite sur le visage de Marie ou dans son cœur qu'il venait de lui faire vraiment de la peine. Jésus prend sa défense. Et même, il va tellement prendre sa défense qu'il va même montrer que le geste que Marie fait a une portée qui est mondiale et une portée même dans un sens, est théologique, là. Pourquoi? Parce qu'il dit, comme on voit ici dans Jean, que ça a le rapport avec sa sépulture à Jésus. Marie, elle n'avait aucune idée de ça, là. Faut s'entendre, carrément. Marie, elle n'a pas fait ça en disant, OK, là, Jésus s'en va, il va mourir, ben là, moi, regarde, je vais venir, puis là, je vais le parfumer, parce que, justement, pour la sépulture qui s'en vient, il va mourir bientôt, et c'est dans ce but-là. Non, 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 elle ne le savait pas, mais Jésus, lui, montre que, regarde, le geste de Marie, là, va bien plus loin que ce que Marie elle-même pouvait penser.
Mais Marie, elle, ce qui est important, c'est qu'elle a donné avec son cœur et sans compter. Et c'est ça que Jésus fait ressortir. Je vais vous dire ceci. Tout ce que vous allez faire pour Jésus compte. Même s'il y en a autour de vous qui vont peut-être questionner la décision que vous prenez ou le geste que vous posez. Mais tout ce qu'on fait pour Jésus n'est jamais, 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 jamais perdu. La portée de ce qu'on fait pour Jésus, on ne la connaît pas. Jésus ici lui a révélé, il l'a révélé aux disciples. Il a même dit, partout où ce que l'Évangile va être annoncé, on va parler de cette histoire-là et de ce que Marie a fait. Ça, c'était la portée mondiale de son geste. Imaginez-vous. Peut-être que ce que vous faites et ce que moi je fais ne se rendra pas jusqu'aux extrémités de la terre. Mon geste que j'ai posé pour Jésus, la décision que j'ai posée pour Jésus, le sacrifice que j'ai fait pour Jésus, le ministère que j'ai accepté de prendre pour Jésus, la personne que je suis allé voir, que j'ai appelée, que j'ai prié pour. Peut-être que ça ne sera jamais connu de personne, mais Jésus le sait. Et il va le souligner. C'est pour ça qu'il dit que même un verre d'eau qui va être donné à un des siens, des plus petits qui croient en lui, va un jour être souligné. Par qui? Par Jésus. Qui vous voulez qui souligne vos actes de foi, d'amour, de service pour le Seigneur? Voulez-vous que ce soit le journal, la télé, Facebook, l'Église ou Jésus? Hein? On veut que ce soit Jésus. Mais la bonne nouvelle, je vous le dis, la bonne nouvelle, c'est tout ce que vous faites pour Jésus, parce que vous le faites pour lui. Dans votre cœur, c'est décidé, c'est résigné, et c'est voulu, et c'est comme ça, ça ne sera pas gaspillé. Et Jésus va le souligner. Il va le souligner. Et on peut en être certain. Vous savez ce qu'il y a aussi particulier dans le texte? C'est que ça dit qu'elle a répandu le parfum, puis elle a essuyé ensuite les pieds de Jésus avec ses cheveux. Mais savez-vous ce qui est en train d'être dit, même si ce n'est pas dit? C'est qu'à l'époque, une femme ne défaisait pas ses cheveux en public. Donc, ça dit quelque chose sur le geste de Marie. Quand elle vient aux pieds de Jésus, qu'elle fait son geste où elle répand le parfum et qu'ensuite elle défait ses cheveux et là, elle les essuie avec ses cheveux. Elle est en train de faire une déclaration. Savez-vous c'est quoi la déclaration? C'est que je suis prêt à perdre la face tellement j'aime Jésus. Je suis prêt à faire quelque chose qui se fait seulement lorsqu'on est déshonoré, lorsqu'on s'humilie tellement que mon amour pour Jésus est profond, tellement j'ai de la reconnaissance pour lui. Et on peut voir que ça peut être lié à Jean 11, c'est-à-dire dans Jean 11, Jésus l'a reçu avec grâce. Vous vous souvenez, dans Jean 11, Marthe était accourue auprès de Jésus, avait entré en relation avec lui, il l'avait un peu critiqué et tout ça, si tu avais été ici, tatitatata, et Marthe est restée derrière. Elle n'est pas allée, puis là, c'est Jésus qui a demandé à voir Marie. Marie, c'est comme, elle vivait quelque chose. Et on voit quand elle rencontre Jésus, elle lui fait le même reproche, c'est-à-dire, pourquoi tu n'étais pas ici? Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et là, Jésus se révèle à elle comme étant, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, et ton frère vivra. Et là, il a ressuscité Lazare. Et je pense qu'ici, Marie est en train d'exprimer à Jésus sa reconnaissance, son amour, son attachement à Jésus. Et c'est intéressant parce qu'on voit que Jean le contraste avec la réaction des pharisiens et du sadducéens et du grand conseil. Là, dans Jean 11, on voit qu'ils ont pris la décision suite à la résurrection de Lazare de faire mourir Jésus. On voit ici que Judas et les disciples sont irrités devant le geste de Marie. Et là, on voit l'attitude de Marie qui contraste à la fois avec celle des disciples, celle de Judas
et celle des leaders religieux. Marie, elle est dans une classe à part ici. Elle a une attitude qu'aucun autre semble manifester. Et Jésus le souligne. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable avec Marie? Eh bien, elle est encore aux pieds de Jésus et son attitude contraste justement avec celle des autres. Ensuite, ah oui, j'ai mentionné tantôt que Jésus intervenait et il a pris sa défense. Ensuite, on a Lazare. Qu'est-ce qui arrive avec Lazare? Bien, lui, c'est l'exemple du disciple contagieux. Hein? Dans le chapitre 11, on aurait dit, c'est l'exemple du disciple qui sent pas bon. Hein? Il puait. Pauvre Lazare. Mais ici, c'est l'exemple du disciple contagieux. Les versets 9 à 11, je vais vous les lire. Jean 12, 9 à 11. La foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là en parlant de Jésus, et ils vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi qui? Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi qui? Lazare, donc sa tête est mise à prix. Parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient de qui? S'éloignaient des pharisiens, s'éloignaient des leaders religieux, s'éloignaient du judaïsme à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il y a de remarquable avec Lazare? C'est ceci. Il dérange, puis il aide les autres à croire. Comment? Simplement par sa proximité avec Jésus, son vécu et son témoignage. En fond, Lazare, lui, a vécu quelque chose pour lequel il ne peut même pas dire « j'ai travaillé fort pour », mais Jésus a fait une œuvre dans ma vie, il a réalisé un miracle, et maintenant je suis un miraculé. Et tout le monde l'apprend, ou en tout cas tous ceux qui l'apprennent sont totalement ébahis et surpris, et ils veulent me voir. Pourquoi ils veulent me voir? Parce que je suis une personne importante? Oui, dans un sens. Mais simplement parce que quoi? Parce que Jésus a fait de quoi de remarquable dans ma vie. Voyez? Quand Jésus fait de quoi de remarquable dans la vie de quelqu'un, bien les autres sont curieux. Les autres veulent le voir. Et les autres veulent même, j'irai un pas plus loin, veulent l'avoir. À moins de déranger au point que notre tête soit mise à prix. Comprenez? Alors, certains avaient cette réaction-là. Le groupe des douze, ou l'exemple du disciple motivé, mais lent à comprendre. Jean 12, 14 à 16. Je vais relire ces versets. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. « Sois sans crainte, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Et là, au verset 16, ça dit ceci. Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, donc après sa mort, sa résurrection, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et que pour lui, il les avait faites. Alors, qu'est-ce qu'il y a de remarquable avec les douze? Le voyez-vous? Rappelle. OK. C'est vrai que le texte dit qu'ils se sont rappelés plus tard, mais le texte nous montre qu'ils sont lents à comprendre. Et ça, c'est un exemple, mais il y en a tellement d'autres où Jésus même leur dit, vous êtes lents à comprendre. Hein? Lents à comprendre ce que les prophètes ont dit, lents à comprendre ce que mon Père essaie de vous dire, lents à comprendre ce que moi je suis en train de faire, ce que moi je vous enseigne. Est-ce qu'il y en a qui s'identifient à ça des fois d'être lents à comprendre? Il y a des choses que vous ne comprenez pas sur Dieu, sur son plan, sur sa volonté, hein? Sur ce qui vous arrive dans votre vie. Mais qu'est-ce qu'ils avaient, les douze? On pourrait dire les onze, parce qu'on sait que Judas, malheureusement, était dans un autre groupe, là, à lui tout seul. Mais c'est ceci. OK? Vous êtes prêts?
Leur lenteur à comprendre ne réduit en rien leur motivation d'être avec Jésus et de le suivre. Vous savez, on voit dans les évangiles qu'à un moment donné, il y avait des gens qui se sont dit comme étant des disciples. On l'a vu dans Jean, je pense, si ma mémoire est bonne, au chapitre 6, où là, à un moment donné, ils suivent Jésus. Il y en a qui sont impressionnés parce qu'il fait des miracles, parce qu'il y en a d'autres, même Jésus dit, « Ah ben, je vous ai nourri, alors là, vous êtes après moi, vous me suivez, puis là, vous êtes impressionnés, puis là, vous allez avoir de voir le prochain truc que je vais faire, le prochain miracle que je vais accomplir. » Donc, il y a des curieux comme ça, puis ça semble dire qu'ils étaient des disciples dans un sens, des disciples, mais des disciples comme à court terme, des disciples qui n'étaient pas des vrais disciples que Jean nous montre. Puis là, mettons dans Jean 6, là, ça dit « Oh, là, ce que tu es en train d'enseigner, c'est raide en titi, puis on comprend pas. » Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont décidé de partir, puis ils ont dit « OK, là, il va trop loin. » Là, il a rendu parler qu'il faut qu'on mange son corps, puis qu'on boive son sang. « Wow, là, c'est quoi cette affaire-là? » Puis là, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce qu'il était en train d'enseigner. Ils n'ont pas compris pantoute. Mais là, ça a été trop dur. Puis on le voit aussi dans la parabole des quatre terres, hein? Il y a trois terres que ça ne fonctionne pas, puis il y en a une qui est bonne. Pourquoi que la seule qui est bonne, elle fonctionne? C'est que ça va lentement, mais ça progresse tout le temps. Il y a des terres que ça va vite. Ouh! Des gros arbres pleins de fruits, là, ça semble être wow! Des grosses déclarations, des grosses professions de foi, des grosses décisions, des gros emballements, des grosses motivations, puis let's go, Dieu est vivant, Dieu, Jésus est vivant, tout ça. Puis là, whoop, il arrive une épreuve, whoop, il arrive une circonstance, whoop, il arrive un accident. Là, whoop, il arrive que mes amis ne trouvent pas ça le fun pantoute, puis ils n'aiment pas ça, puis ils trouvent ça bizarre, puis tout ça. Puis là, whoop, puis là, whoop, ça s'éteint. Mais les disciples, ils vont pas vite. Ils sont pas vite. Ils remettent souvent en question Jésus. Hein? Il y en a même qui s'opposent à Jésus, comme Pierre, quand il dit, tu n'iras pas à la croix quand Dieu ne plaise. Puis là, oh, mon Pierre, attention là. Mais une chose est sûre, leur motivation d'être avec Jésus et de le suivre ne change pas. Et c'est ça la grâce, hein? C'est là qu'on voit Jésus comment ce qui est fantastique. Même avec ses disciples. Il pourrait vous dire, arrête d'en choisir d'autres plus mieux éduqués, mieux ci, mieux ça. Non, Jésus, il dit, c'est correct. Parce que je vois que votre motivation à être avec moi et à me suivre est là. Et même si vous n'êtes pas vite, même si j'aimerais ça que ça aille plus vite, pour votre bénéfice, c'est correct. Vous êtes toujours avec moi, vous êtes encore là. Vous savez, c'est une caractéristique d'un disciple. Hein? Tu sais, des fois, il y en a qui sont vite à comprendre, il y en a qui ont de la connaissance biblique, c'est malade. Il y en a qui connaissent leur Bible sur le bout de leurs doigts. Il y en a là, qui étudient la Bible. C'est fantastique. Puis il y en a d'autres qui ont de la misère à lire la Bible. Puis ils sont là, la misère à lire la Bible. Mais ça n'a rien à faire avec leur amour pour Jésus. Ça a à faire d'où ils viennent parfois, de choses qu'ils n'ont pas reçues plus jeunes ou de difficultés. Il y en a qui sont dyslexiques. Il y en a qui ont toutes sortes de difficultés. Mais vous savez, ce que Jésus regarde, comme il regarde ici avec ses disciples, c'est que tu es encore avec moi. Tu ne lâches pas. Tu as de la misère à lire, hein? Tu as de la misère à prier. Tu as de la misère à témoigner. Tu en as de la misère, OK? Mais tu es encore là. OK? Et ça, c'est une caractéristique remarquable d'un disciple, tout comme le groupe des 12. Fantastique! On y va avec le dernier. Le groupe des témoins ou l'exemple du disciple verbomoteur. C'est quoi ça, un verbomoteur? Hein? Qui sont des verbomoteurs dans l'Église, cette là? OK, il y en a quelques-uns. Allez là, les verbomoteurs, confessez-vous devant les autres, là. C'est pas un défaut, hein? Surtout quand c'est pour Jésus, là. Hein? C'est merveilleux. Alors, on lit ceci dans les versets 17-18. La foule, et je vous ai mentionné la première fois, qu'il y avait au moins 5 différentes foules. Donc, ici, la foule dont il est question, c'est la foule qui ont été témoins.
Alors, la foule qui était avec Jésus quand il appela Lazare du tombeau, donc au chapitre 11, et le ressuscita d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, car elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Donc, il parle ici d'une autre foule. Comprenez? Donc, il y a une première foule, puis cette foule-là, qui était au moment où Jésus a fait le miracle, eux autres, ils n'arrêtent pas d'en parler à Jérusalem, là, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont été témoins. Ils sont des verbaux moteurs. Ils ont cru, nous dit aussi au chapitre 11, là, on ne l'a pas vu, mais dans le chapitre 11, c'est spécifié que ceux qui étaient témoins, pas tous, mais il y en avait une partie qui ont cru. Alors, donc, si la foule qui est référence, c'est ceux qui ont cru, ceux qui ont été témoins de ça, et qui, là, ont cru en Jésus. Et là, ici, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Pas compliqué, hein? Ils font juste de dire, ils ne peuvent pas arrêter de dire, on ne peut pas les retenir. Puis on sait qu'il y a eu des menaces de la part des chefs religieux, de quiconque qui parlait au nom de Jésus, il faut être exclu de la synagogue. Donc, c'était... Et autrement dit, c'était dans un contexte, là, mais ils prenaient le risque, ils en parlaient ici, parce qu'ils ne pouvaient pas se taire. Ils étaient tellement enthousiastes avec ce qu'ils avaient été témoins. Donc, qu'est-ce qui est de remarquable avec ces témoins? Ben, ce n'est pas compliqué. Ils sont incapables de se taire. Ils doivent raconter tout ce qu'ils ont vu et vécu avec Jésus. Et ça, c'est une caractéristique remarquable d'un disciple. De dire aux autres ce qui est Jésus, ce que Jésus fait, la puissance qu'il y a en lui. La prochaine fois qu'on va regarder Jean 12, il y en a cinq autres marques de disciples, et ça va être à travers l'exemple du grain qui meurt, la nouvelle recrue, l'enfant de lumière, la repentance et le passionné. On va finir ce matin avec ceci. Un petit moment de réflexion, OK? Placez tous devant le Seigneur. Où en êtes-vous dans votre relation avec Jésus, le Fils de Dieu? Vous savez, on peut se situer à différents endroits dans notre relation avec lui. On peut être un aspirant à la foi. Qu'est-ce que c'est qu'un aspirant à la foi? Bien, c'est quelqu'un qui n'a pas pris encore de décision, qui ne s'est pas encore engagé, mais qui est en train de cheminer, qui a un intérêt pour Jésus, pour les choses qui touchent à la foi chrétienne, à la parole de Dieu. Il est intrigué, il est même interpellé intérieurement. Il y a quelque chose qui se passe dans son cœur, mais en même temps, il n'est pas au point d'avoir entré en relation avec Jésus encore. Et il aspire. Il chemine dans ce sens-là. Ou il y a justement le débutant avec la foi, donc c'est quelqu'un qui a pris cette décision-là, d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, en reconnaissant qu'il est mort sur la croix et que j'ai besoin de Jésus dans ma vie pour le pardon de mes péchés et la vie éternelle qu'il veut m'offrir. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Vous voyez, ça devient personnel et ça devient engageant dans le sens où je prends ma décision de le suivre, de vivre maintenant ma vie avec lui comme la personne significative de ma vie. Et ça devient justement le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Vous voyez? Ensuite, il y a un progressant dans la foi. Voyez, si je reste aspirant, bien, je ne viens jamais à la foi. Mais si je reste débutant, bien, je reste un jeune dans la foi. Et ce que la parole de Dieu nous montre, c'est qu'elle veut qu'on progresse dans la foi. Et celui qui progresse dans la foi, bien, c'est simplement celui qui développe sa relation avec Jésus. C'est pour ça que dans notre vision... C'est d'aider toute personne à entrer en relation avec Jésus. Donc, ça, c'est de l'aspirant au débutant pour grandir en lui. Alors, vous voyez, on tombe dans le progressant dans la foi. Donc, on veut aider toute personne qui entre en relation avec Jésus. On veut les aider à entrer en relation avec Jésus. Puis, une fois qu'ils sont entrés en relation avec Jésus, on veut les aider à grandir dans la foi pour partager, justement, la foi, la bonne nouvelle de Jésus. Et servir. Donc, il y a cette idée de
croissance, de progression. Et finalement, le quatrième groupe, on pourrait dire ça comme ça, c'est celui qui est enraciné dans la foi, un enracinant dans la foi. Là, à ce moment-là, vous voyez, là, il y a beaucoup de choses qui ont pris leur place. Et moi, je dirais ceci, c'est que celui qui est enraciné dans la foi, là, Jésus occupe la toute première place dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Et toute sa vie est centrée sur Jésus. Toutes ses valeurs, ses décisions, ses priorités, son temps, tout ce qu'il fait, sa retraite, tout ce qui occupe ma vie, dans le fond, est enraciné en Jésus. Je vis pour lui, je respire pour lui et je veux le glorifier dans toutes les facettes de ma vie. Et là, il est enraciné profondément en Jésus. Vous savez, il y a des recherches qui ont été faites sur la spiritualité en Amérique du Nord. Et ce qu'ils ont découvert, bon, c'est pas très étonnant là, à cet égard-là, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui se disent complètement indifférents à la foi, ou même, il y en a qui vont même à s'opposer à la foi, donc ils sont contre la foi. Il y en a qui vont, oh, ça ne me dérange pas, mais je ne veux rien savoir pour moi-même. Mais il y en a d'autres même qui se sont déclarés comme étant opposés à la foi. Il faudrait que ça disparaisse de la planète de la Terre, ça. Tandis que d'autres se sont dit plutôt ouverts à la foi, mais sans avoir une adhésion quelconque religieuse. Donc, sans pratiquer, on pourrait dire ça comme ça, la foi. Mais savez-vous de la bonne nouvelle qu'ils ont découvert? C'est que le deuxième groupe est plus nombreux que le premier groupe. Il y a plus de gens qui sont ouverts que de gens qui sont fermés ou même opposés à la foi. Donc, il y a des gens qui s'intéressent aux choses spirituelles. Et l'Évangile de Jean, dans un sens, a été écrit pour ces gens-là qui s'intéressent, qui sont ouverts à la foi. Et c'est pour ça que pour Jean, l'important, c'est d'entrer en relation avec Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et dans Jean 20, 31, c'est le but pour lequel il écrit son évangile. Ce que ça veut dire, c'est de croire en Jésus de tout son cœur. Et ça, c'est le début de tout parcours spirituel pour quelqu'un qui dit « Je veux être un disciple de Jésus ». Maintenant, pour terminer, aimeriez-vous, ce matin, lui offrir votre potentiel, comme Marthe, pour le servir avec vos talents et vos possibilités? C'est ça que Marthe a fait. Peut-être que ça vous rejoint, ça, le service. Ou encore, aimeriez-vous venir à ses pieds, comme Marie, pour lui offrir votre amour et votre cœur? Peu importe ce que ça veut dire. Mais vous, c'est relationnel. Ça touche votre relation avec lui. Et vous voudriez vous approcher de lui. Être quelqu'un qui contemple Jésus, qui passe du temps avec Jésus. Ou encore, aimeriez-vous goûter à sa puissance, comme Lazare, et le laisser toucher votre vie et vous guérir? Peut-être c'est votre aspiration de votre cœur de voir Dieu faire un miracle dans votre vie. Vous aimeriez tellement ça que Dieu vous rencontre et fasse un miracle, et ce miracle-là soit d'une façon claire, il va glorifier Dieu, parce qu'il va mettre toute l'attention sur Dieu. Dieu, il m'a libéré de ça, c'est parce que c'est lui. Moi, je n'y arrivais pas par moi-même, mais il m'a libéré, j'ai crié à lui, il est intervenu dans ma vie, et là, ma vie a été bouleversée par Jésus. Ou encore, aimeriez-vous être inscrit à son académie? Son école, comme le groupe des 12, pour découvrir à votre rythme la profondeur de l'amour de Dieu et de son plan. Et finalement, aimeriez-vous le voir à l'œuvre comme les premiers témoins du Nouveau Testament pour dire au monde entier qu'il est vivant, présent et agissant encore aujourd'hui? Quelle est l'aspiration de votre cœur ce matin? Il y a sûrement quelque chose parmi ça, qui vous touche d'une façon particulière. Aimeriez-vous venir à lui ce matin, puis lui l'inviter à interagir avec vous et à faire ce que vous croyez fermement qu'il peut faire à travers vous, qui va lui donner la gloire qui lui revient?
On va prier ensemble. Je vais inviter l'équipe de louanges. Jésus vous invite ce matin à le rencontrer, à lui ouvrir votre cœur et lui faire confiance. Il veut vous prendre tel que vous êtes, là où vous êtes. Je vais vous inviter à vous lever et je vais prier. Et si vous voulez vous présenter devant lui ce matin, bien interagissez avec lui, suivez-moi dans la prière, parlez-lui dans votre cœur. Et le Seigneur va faire ce que lui seul est capable de faire. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour Jean 12. Merci Seigneur pour ce que tu nous montres à travers ceux qui ont cru en toi, ceux qui ont été en relation avec toi. Et qui ont voulu exprimer à leur façon leur attachement envers toi, leur amour pour toi, leur foi en toi. Et Seigneur, nous aussi, on est différents les uns des autres. Et tu interagis avec chacun de nous d'une manière qui est différente. Est-ce que tu vois, Seigneur, le cœur de ceux et celles ce matin? Qui ont besoin de te rencontrer, qui aimeraient venir auprès de toi, qui aimeraient t'offrir leur talent, leur potentiel, qui aimeraient t'offrir leur cœur, leur amour, qui aimeraient passer du temps avec toi, Jésus. Est-ce que tu vois le désir de leur cœur? Est-ce que tu vois aussi, Seigneur, ceux qui ont plus de difficultés, qui sont lents peut-être à comprendre? Mais est-ce que tu vois leur désir, leur motivation de rester attaché à toi, Seigneur, et de te suivre? Est-ce que tu vois ceux qui aimeraient te servir, ceux qui aiment servir? Est-ce que tu pourrais les aider dans leur service, dans leur attitude? Afin que leur attitude puisse refléter que tu es présent dans leur vie et qu'ils s'attendent à toi. Ah, il y en a, Seigneur Jésus, qui aimeraient que tu viennes et que tu fasses un miracle dans leur vie, que tu viennes les guérir, que tu viennes les libérer, que tu viennes, Seigneur, leur donner la victoire sur des choses avec lesquelles ils luttent. Seigneur, est-ce que tu peux rencontrer les aspirations des cœurs de chacun? Accepterais-tu ce matin la décision de dire, Jésus, je veux te suivre. Je veux te louer. Je veux te servir. Je veux parler de toi autour de moi. Je veux passer plus de temps avec toi, Jésus. Je veux mieux te connaître d'une manière plus intime, plus personnelle. Accepterais-tu, Seigneur, leur soupir, leur aspiration, leur prière ce matin, leur décision? Viendrais-tu, Seigneur Jésus, les fortifier? Mets ta main sur eux, mets ta main sur leur cœur, mets ta main sur leur épaule, mets ta main sur leur esprit, leur entendement, leur âme. Viendrais-tu les libérer de fardeaux, Seigneur? S'ils les apportaient à tes pieds, les prendrais-tu, ces fardeaux? Est-ce que tu entends, Seigneur, le cri de ceux et celles qui s'adressent à toi ce matin? Qu'aurais-tu à leur offrir, Seigneur, pour les encourager ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose que toi seul peux apporter à leur cœur, qui peut venir de ta parole, d'un verset, d'une promesse? Il peut même venir d'un chant, d'une parole d'un chant qui viendrait fortifier leur cœur. Seigneur, qu'est-ce que tu as, où tu peux interagir avec ceux et celles qui se tournent vers toi? Je sais, Jésus, que tu es vivant. Je sais que tu entends nos prières. Je te demande simplement, Seigneur Jésus, de te manifester. Pour la gloire de ton nom, en te remerciant d'être là et d'être vivant, et de nous aimer chacun de nous pour qui on est,
comme on est, de nous accepter et de vouloir nous emmener plus loin avec toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.